Voici donc le numéro 9, Elmer. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait le numéro 3 qui était issu, qui était un vrai pur anglo-arabe, c'est-à-dire issu d'un étalon pur sang et d'une mère pur sang arabe. Je dis que c'était un cas extrêmement rare. Et bien évidemment, comme il y a quelque chose pour vous faire mentir, en voici un deuxième cas, même pas 15 minutes plus tard. Il s'agit donc de cette Elmer, le numéro 9, présenté par Thierry Savary, qui nous vient du département 23, un fils de nombreux premiers, né le 25 mai, il est né tard, hein, c'est pour l'info le préciser, et Al-Qaïda de Tive par Kesberois. Kesberois, inutile d'en rajouter, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup influé dans le monde, et c'est bien le monde, parce qu'aujourd'hui, la planète arabe s'étend sur le monde entier, et donc c'est un non-arabe à 50%. Alors, comme on arrive dans le registre de l'arabe pur, alors on va retrouver des performances en endurance. On va peut-être pouvoir le faire marcher. Voilà. La mère a gagné deux courses. Enfin, deux courses, oui. Elle compte deux victoires, en tout cas, en endurance. Et son premier produit, Black Doom du Bou, par Prince d'Orient, est invaincu en endurance cette année. Il compte deux sorties, deux victoires. Voici donc le... Voici donc le deuxième produit. Alors, qui descend d'une souche qu'on connaît très très bien dans le monde de l'Arabie, c'est celle des Arrokos. C'est certes sous la quatrième mère, mais tout de même, Arawak d'Arroko, Ansara d'Arroko, mieux encore, Altes d'Arroko, et le champion, vraiment de mieux, Tabarak. On trouve aussi Al-Qaïr, Aran et Aziz. Et donc, nous avons une résurgence de cette famille sous une autre branche avec cette Elmer. On va voir au trot, donc cette piste de nombreux premiers, et Al-Qaïd de Tive.